Bah il va trouver Umbercleave maintenant et je vais full rage. Et on va faire. Vraiment, je colle, on a gagné. Gagné. Il va y aller là. Il se dit, vas-y, je fais une sauce, ça, il est à 1. Vas-y, mets tout. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais, mon qui? Non, on est à 2. Merde! Putain, tout ça pour ça. Ah ouais. Bref, allez. En fait, elle est moche, la chouette en noir. Tu peux la remettre en blanc? Je l'aime bien, moi. Mec, regarde bien. On dirait un samouraï. C'est une tenue. Elle nous a regardé, elle a fait. Oh, comment ça? Ouais, exactement. C'est une tenue de samouraï, mec. De pas se faire value trade. Ouais, là tu mets faucon. Pan. Vous voyez l'effet multi-mégazord ou pas? Bottom moi ça. Je comprends pas trop. Et ça peut vite nous tuer dans un monde où on joue pas de cartes. Ouais. Le mec met 10 ans. Mais disons. Donc il faut vraiment là le noyer sous la value, je pense. Et piocher mieux que lui. Comme ça, là, on le prend. Piocher la tête, plus, là, c'est mieux. Ça. On dirait un. Putain, si j'avais un parti politique, ce serait mon slogan. Piocher plus, c'est mieux. Et les gens font. Putain, c'est vrai, c'est bien ça. Il faut piocher. Et ton opposé, ça serait piocher moins, aller dans la bouche. Ouais. Genre face is the play quoi. Bah ce serait genre il suffit de pas mooligan. Ce serait le slogan adverse. Le meilleur slogan. J'ai dit, oui mais il faut mooligan agressif. Il faut avoir des bonnes mains de départ. Vous piocherez bien et vous piocherez plus. Et le mec dit ne l'écoutez pas. Il suffit d'avoir une bonne main de départ. On peut très bien jouer avec cette carte. Genre le parti qui te dit ah bah non si tu mooligan c'est de ta faute. Il faut se remettre en question à un moment donné. Oh il a court le regard quoi. C'est beau. Hein. Pas si char. Il est un peu blancasse. Ah mais si, du coup, les princes étaient blancasses. Hein. Bah ouais, bah ils avaient de la poudre, comme ça. Là. Mm. Ils se poudraient, ils voulaient se protéger du soleil. C'est fou quand même, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir un bouton, il fallait qu'il soit tout blanc, de la poudre et tout, mais ils chiaient derrière les rideaux, tu vois. C'est quand même... C'est un paradoxe. C'est vraiment un gros paradoxe, je trouve. C'est vrai qu'ils chiaient derrière les rideaux. Ils chiaient dans leur culotte et ils chiaient à table aussi. À table? Ah oui, le pot sous la chaise, quoi. Ah la vache. Ça me dégoûte. Ils pouvaient avoir la peau blanche, le mec, hein. Et de la merde sur les mains pendant qu'il bouffe quoi. C'est fou ça. Ah oui c'est fou. Tu sais qu'il paraît que les talons ont été inventés en France pour les bouchers pour ne pas. Quoi? Ok. Non mais je sais pas. Je trouvais que le contexte était incroyable. Oui c'est vrai. Ils ont été inventés par des bouchers apparemment. Enfin pour les bouchers en tout cas pour ne pas qu'ils marchent trop dans le sang. D'accord. C'est mais fou. Je sais pas si c'est vrai. Non mais pourquoi pas. Mais peut-être que les gens qui chiaient derrière le rideau c'était qu'en France hein. Peut-être qu'en Angleterre, elle faisait pas ça, tu vois. Il sait pas de rideau. C'est pas. C'est pas pour rien qu'on appelle ça l'âge moyen, quand même. Hein. L'âge, bon. Tu te rends quand même compte qu'à cette époque-là, genre vers 17e siècle ou quoi, ils ont appelé l'époque d'après la Renaissance, quoi. Ouais. C'est genre, on a arrêté de chier derrière les rideaux, quoi. Et on vient d'éclater ce mec sur cette fabuleuse anecdote. Putain, quoi. C'est pas grave. Nous, on sait. Nous on sait. Nous on sait qu'on l'a joué. Et ce que je trouve fou. Donc voilà, c'est ne chiez pas derrière les rideaux, il n'y a que les enfants qui font ça. Les mecs ils font la galerie des glaces et derrière ils chient à table. Là je trouve ça dingue. Mais tu sais que pour créer Versailles, il a fait mourir de faim son peuple, le mec. Hein. Oui, c'est vrai. C'est horrible. Il a affamé. C'est horrible. Donc nous on bande sur Versailles, on est très heureux de ça. On va le visiter. C'est un jeune aussi, Versailles. Le mec qui exagère, tu sais. Bah, c'est un truc mais déguisé. J'exagère. C'est genre. Historiquement, c'est pas présenté c'est comme genre, ça. C'est genre, on rayonne, mais c'était sur, comme ça. On rayonne sur le monde entier. Par contre, tous nos gueux, ils sont morts, tu vois. Le type, il a dit, moi, je veux que le soleil à midi, il tape dans ma chambre, tu vois, que je sois le roi soleil. Par contre, le pain, ils iront se faire foutre. Voilà. Pardon, je me suis rapproché du micro, donc je voudrais peut-être crier dans les oreilles. Tu peux encore piocher.
Infinite value. Wow. Insane draws from the French player. Ça, c'est, playing Celestia Adventure. Currently, maybe the tier 1, the god tier of this meta. And Fukayu concedes. He just can't get enough of this. Ah! Voilà. Wow. Oui, ça fait nom de roman un peu coquin, tu sais. Genre l'intruse, l'indiscrète. Quelque part. Tu lis des romans un peu coquins? Pas du tout. Oh, mais je vois les titres, quoi. Que putain chaleur. Présentez-vous! Oula. A rapidement passé à la 2. La 3, du coup. Oh putain. Ah gros, c'est abusé. Ah non, ça c'est abusé. Allez. Présentez-vous! Ah, oh, se donner à la une pour perdre contre ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est beau, ça. Et je pense que s'il avait anti-bet, il aurait dû le faire en réponse en au réponse. Berger. Ouais, effectivement, c'est pour ça. Là il est foutrax. Mmh. À moins qu'il veuille vraiment gérer le berger pour ne pas se prendre un double marchand au tour prochain. Ce qui est tout à fait correct aussi. Oui. Après, il n'est pas obligé de se dire que le mec a tout, que nous avons tout et qu'on va curver berger dans marchand. Il se dit, les mecs, déjà, ils sont deux et ils ont tout. On précise, ils demandent. Hein. Il demande quoi? Berger dans marchand. Il demande la permission. Oui, oui. Mais quand ils étaient à côté dans la main, le berger, il tendait sa main un peu genre... Il faisait regardez ça. Non, tu sais, genre, il montrait, genre, c'est quoi ça? Et le marchand gris se barrait avec la thune. Donc il y avait un peu un lore dans la main. Il y avait un lore, il y avait une histoire. Et si tu inverses les deux cartes, là, c'est le marchand qui court vers le berger avec sa thune. Et lui, il dit, ouais, viens. Amène-toi. Enfin, de la thune ou des fèves, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on peut dire que le marchand gris rend l'argent? Ça dépend où il va. C'est l'argent des abonnés. Mais ça. Quand tu vois que derrière il y a rien et il y a un peu de fumée, tu te dis qu'il a, en fait, il est pas en train de rendre. Ouais, il est pas en train de rendre. Il est en train de se barrer. Et en plus, il a les bourses bien pleines, si je peux me permettre, ce marchand. Il a des bourses partout, mais non. Oh là là, il est boursé. Il est boursier. Il est, oui, peut-être. C'est quand t'es boursier, c'est quand t'as plein de bourses. C'est quand t'as une bourse au moins. Au moins une bourse. À partir d'une bourse, tu es boursier. À partir d'une bourse, t'es boursier. Pas mal. Ah putain, mais on est con. On peut tuer les Kralis. Mais je viens de te le dire. Ah, j'ai pas. Tu m'as dit, non. Food. Mais tu m'as dit non, j'ai dit bon, bah non, du coup. Non, je croyais que tu m'as dit gérer Krasis, mais d'un autre moyen que j'avais pas compris. Bah, on pouvait, mais après, j'ai pas dit, on peut faire ça. Et quand tu m'as dit non, je me dis bon, bah s'il veut pas, du coup, on va tuer ça. Mais après, mais je me suis dit pourquoi non, j'aurais préféré moins bien. Une 3-3, une 13-13. Bah, je sais pas, mais ça m'avait l'air super convaincant quand tu l'as dit. Mais non, je me suis dit. Peut-être j'ai pas compris, ou c'est pas grave. Ah Madame à la maison dit que c'est très bien qu'il faut pas changer la télé. Moi, je dis que. Franchement, ça ferait plaisir. Attention, c'est pas un changement immédiat, hein, mais c'est de savoir qu'elle sera changée. C'est ça très ferait important. Plaisir pourquoi? Pourquoi tu la consommerais de meilleure manière? Franchement, je sais pas du tout, mais j'ai envie. T'as envie d'avoir une grosse télé, quoi. Ouais. C'est genre. Mais en plus, j'ai même pas le budget tout de suite. C'est hein. La taille du sexe dans l'électroménager, quoi. Je sais pas, peut-être. Genre, tu rentres chez les gens, le mec il a une télé de 3 mètres de diagonale, tu dis lui. Très, il a une grosse bite. Lui, il a une très grosse bite, quoi. Yes! Yes. C'est bon, je crois. Hein. Ouais, c'est bon. Enfin, il y a moyen que ce soit bon. C'est tous bon, les peuples ça. Gagne. Et le problème, c'est qu'on n'a pas d'interaction pour Dracu. Ben, on va mettre 3 trolls pour bloquer. Il n'a pas la portée, lui. Hein. Ah non, je croyais. Non, il n'a pas la portée. Pourtant, il est grand. Ah, il est grand, il a la portée. Il attrape le dragon comme ça, là. Et toi, là. Il attrape par la cheville. Il attrape par le callback. Il secoue un peu, là. Il fait, bon, oh, t'arrêtes maintenant de cracher le feu. Oh, t'as embêté mon copain. Il aimait une mandale. Bah vas-y, mais meule nous, y a pas de problème. Ah non, il faut qu'il se meule lui. Ah ouais. Ok. Comme ça, s'il joue un œuf, si son play c'est œuf, t'attaques avec un cruce, tu casses œuf. Pardon. Qu'est-ce que c'est voilà. Ouais. T'as compris ce que j'ai dit en fait. T'as compris, hein? C'est pas beau, hein? Est-ce que je me suis bien fait compris? T'as déchiré? Non, sergent chef. T'as déchiré? Non, sergent chef. Ah pour moi, t'as les chiens? Oui, ça va, chef. La loose. Il te restera 3 mana. Ah, t'as les forgeurs. Oh, vas-y, fais Saïli œuf d'or. Ah ouais? Parce en fait, si tu trouves un Tezzeret, avec tous les tokens que tu peux faire, il va faire. On aura un gros laser, moi. Un gros laser. En fait, c'est le rayon laser, ouais. C'est un laser. Le laser. Razer gun? Ça, c'est fou. C'est quand. Dans ma tête, ça va tellement vite que ma voix ne suit pas. Du coup, ouais. Condense. Mais ça, c'est le problème des génies. Je sais pas si c'est ça mon problème. Du... Vraiment, je suis pas persuadé que mon problème ça soit le génisme, tu vois. D'ailleurs, ça veut pas du tout dire ça. Si, si.
Si, si, ils valent. Ouais, ça veut dire fou, bien sûr. Plus que tu ne crois. J'ai l'impression que tu es très petit, avec l'effet de perspective. Hop là. Et non, mais c'est parce que je suis affalé. Mec, qui se justifie. Non, non, mais en fait, je suis pas petit, hein. Je suis pas si petit, hein, pas du tout. Vous m'avez vu, hein, dans la vraie vie. J'ai mangé de la soupe, hein, vous inquiétez pas. Ah. On commence à faire des trucs bien, là. L'armada. L'armada. Pas l'attaque. On a un deck de siège, je trouve ça incroyable. Un deck de siège. C'est un archétype dans des jeux de plateau. Attends. Et on prend un. Ah non, en sacrifiant la foudre, ouais, on est pas mort. En sacrifiant la foudre, on n'est pas mort. Hein. Attendons, attendons, parce que là, tu top deck Krasis, c'est GG. Hein. On a gagné cette game. Et remontada de ouf. Hein. Là, on est mort. Là, on est bien mort. Yes, passons à la 2. Mais c'est pas grave. Mais tu vois ce dessin animé Jackie Chan? Oui, oui. Où il y avait même le vieux monsieur, il faisait tout le temps Yo Monk, why bang bang bing down, yo Monk. Je n'ai pas fini. Exactement. Et à la fin, il y avait toujours une question pour Jackie Chan. Et c'était toujours un petit enfant qui faisait Yaki, Yaki. Oui, mais je me rappelle très bien. Et il lui disait genre ça fait quoi de faire 150 ans d'art martial? Et lui, il dit bah écoute, j'ai mal au poignet. Voilà. Et il est toujours en train de taper sur des trucs en bois. Et surtout, il fait oh, salut. Incroyable. Ah, bah, t'as pas envie de faire druides et bête de quête le tour d'après en fait? Ouais, peut-être que c'est sachant mieux. Qu'avec une main à mana, je te dis, s'il nous fait bête de quête, ou qu'importe quel alors, autre. Alors, Mulligan à 5, ouais. Je fais tour impasseur, tour 2 Oko. Tour 3 bête de quête, moi je le mange quoi, je lui croque le ah, mais tu peux dévorer ton adversaire. Voilà. Le juge, si c'est une partie. Bah, tu lui dis, bah, juge, il va dire, mais dévorez-le. Mais c'est normal. C'est normal.